Yo les gens, c'est Drake Survie. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scarlet Nexus. Aujourd'hui, moi, j'ai que la démo. Je peux pas faire autrement. Donc, on va normalement, pour ceux qui me suivent sur le Discord, vous savez que il y a Nexus. Donc, je vais faire une partie si je peux faire avec la fille et le mec. Donc, on va regarder un peu ça. Il y a déjà pas mal de personnes qui font ce jeu-là. Moi, je pense pas que je vais le prendre. Il a l'air sympa, clairement il a l'air sympa, mais on va surtout faire la démo aujourd'hui, donc pour le lundi, et normalement il y aura une démo pour le, si je me trompe pas, soit jeudi, soit vendredi, je crois, c'est jeudi, une petite démo. Donc comme je vous l'avais dit, maintenant il y a des vidéos tous les jours et des lives, donc à part le jeudi. Mais sinon, tous les jours, et le lundi, il n'y aura plus rien. Donc, j'ai fait mes petites recherches sur ça. Donc, je vais faire mes petites recherches pour le trailer. Je pense que j'ai choisi mon trailer que je vais faire. Même si le jeu sort que le 7 octobre, je sais, ça fait peu de temps. Dans peu de temps qu'il va sortir. Mais je vais le faire quand même, parce qu'il a l'air sympa. Et je pense que beaucoup vont le prendre, parce que c'est clairement une des sagas qui est emblématique, je pense, pour beaucoup. Donc on va se lancer, français, hein, je suis pas, voilà, j'accepte, de toute façon je peux pas faire autrement, voilà, donc, voilà. Japonaise, bon, on va les prendre en japonaise, tiens, peut-être modifier plus tard, oh, normal. Donc, on va faire l'édition démo. Donc, on va voir un peu ce que ça se déroule. Je sais qu'il y en a certains qui ont déjà commencé le jeu. Donc, moi, c'est surtout les premières parties. Donc, on va aller jusqu'à la fin. Donc, s'il y a des coupures, il y aura des coupures. S'il n'y a pas de coupures, il n'y aura pas de coupures. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. À laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti. Donc, comme vous le voyez, on peut choisir. Donc, je vais commencer par le mec. Sélection de l'histoire de Yukito. Et nous avons l'histoire de Kazan Randall. Kazan. Donc, je vais commencer avec lui pour voir ce que c'est. Et normalement, jeudi, vous aurez une autre partie avec elle. Donc, voilà. Jouer le didacticiel, donc je peux pas faire autrement, de toute façon je pense, non. Bon, je pense pas, le didacticiel ça me prendrait trop de temps, donc on va éviter le didactalk. Puis de toute façon, je pense que c'est assez facile, puis s'il faut je regarderai vite fait les touches, donc voilà. Donc, verrouiller automatique, hein, les attaques armes, si vous attaquez un ennemi avec X. Donc, voilà, bon, on a quand même les petits trucs. Donc, X, voilà, c'est quand même assez, assez démonstratif. La vision du ciel avec un quai. Ok, en tout cas, les graphismes sont très beaux. La ville marchande de désert, ok. Alors vu que moi j'ai que l'édition machin, je commence déjà avec, comme vous le voyez, des personnes. Ok. Bon, nous sommes... Alors c'est marrant parce qu'on dirait un livre. Vous savez, les livres japonais qui mettent les images. Ça c'est plutôt sympa. C'est plutôt cool, je trouve. Ça fait un petit genre de... Ça met pas les personnages... Ça met les personnages vraiment en valeur au niveau des du dialogue et tout ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ouais, c'est plutôt cool. Alors, je vais passer, hein, je vais passer les didacticiels. Pourquoi? Parce que si vous voulez jouer, j'ai pas envie de vous gâcher le truc. Et au 300, j'ai pas l'impression que ça a l'air trop compliqué. RT. Ok. Oh la vache.
J'ai l'air d'avoir quand même pas mal de... Ouais. Fermez les... Ferme le didacticiel. Ok, alors là... Ok, d'accord. Ah ouais, faut jouer même avec la caméra. Faut jouer vraiment avec la caméra, il faut tout jouer. Ok, c'est assez facile. Faut juste arriver à gérer au niveau de, des touches. Parce que alors là, les touches... sont bizarres les monstres hein, par contre. Sympa. C'est sympa ça. Oh. Alors il a vraiment qu'une épée. Par contre, je suis en train d'en marquer. Okay, je suis en train de me dire qu'on a plusieurs, plusieurs attaques. Coucher. Coucher la plante. Je veux choper le bus. Le gars il essaie de choper le bus depuis tout à l'heure. En tout cas le jeu a l'air sympa. Ok, c'est quoi ça? Gel élégué. Obtenu gel allégé. Ok. D'accord. Ok. On a des soins. Ok. Pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors on peut aller là-haut. Ok, on peut aller là-haut. Ok. Le point d'interrogation fait que... Alors est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce qu'il y a des points d'intérêt? Est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent être intéressants? Oh, ouais! Dis donc, grande plante! Ouais, tu peux gérer les deux choses, ok? Ça. Alors j'ai récupéré un truc, je sais pas trop. Je pense que c'était une bande de données parce que ça a bien disparu. Oui, ça a disparu. Donc on a, ouais, la carte est pas mal. Alors attendez, on va regarder quand même. Ah oui, on a quand même la map, déplacement de données, ok. Emplacement de données, ok. Ok, zone machin, ok. C'est plutôt pas mal. Voyons voir, start. J'appuie sur Select pour la map. D'accord, ouais, on a vraiment des skins 1, 2, 3, XX. Ouais. Ça, c'est les personnages, je pense qu'au fil du temps, vous pouvez avoir. Vous avez les objets, ok. Pas mal. Équipement. Visuel, ok. Ça c'est l'arbre de compétences. On a déjà des... Je pense que l'arbre de compétences est déjà débloqué de façon pour le didacticiel, pour le machin. Ok. J'habite la bibliothèque. J'arrive plus à appeler un téléphone, mais bon. Et les options, bah ça, on n'y touche pas trop. En tout cas, le jeu a l'air sympa. La manipulation est plutôt sympa. Alors bon, bien sûr... ça a l'air d'être... quoi? Ok, on peut bloquer. Hein.
Téléportation. Wow. Oh là là. Oh, oh là là. Aïe. Ça, ça fait mal. Ok, d'accord. Pas mal. On a des pouvoirs qui sont plutôt pas mal. On peut passer par là. On fait le tour pour choper la bébête. Salut bestiole. Clairvoyant. Ah oui. On peut détecter des trucs. On détecte des trucs rouges. Mais ok, sympa le combo. Très sympa le combo. Ok, on a de la... C'est de la monnaie, ouais. Je sais pas ce que c'est. Oreille de lapin, machin. Je pense qu'il faut monter. Le truc a disparu quoi. Ok, alors là il y a quoi là? Alors je visite un peu hein, en même temps. Oh ouais. Dites donc. Alors, par contre, oh putain. Alors, là par contre c'est sympa parce que le truc c'est que... Ah ouais, mais par contre... Ah oui, d'accord, ok. Il faut que je recharge, ok. Oh là là. Effective poussière céleste. Ok, ah d'accord, c'est la poussière qui est en bas. Donc ce qui est en marqué poussière, donc vous avez la ville et machin. Et en fait, c'est ce qui est marqué... ok, ah oui, d'accord. Aïe. Yeah, bouffe. Grande patte. Ok. Ah ouais, et ils ont tous un masque au niveau de la tête, ça c'est cool. C'est plutôt sympa. Alors par contre, c'est très bourrin. Hein. C'est très très bourrin, hein. J'en suis en train de remarquer. Il y a de la monnaie derrière. Il y a du truc derrière, mais on peut pas passer. On peut pas passer par là. Ah, par là. Ah, peut-être par là. Ah bah non. Bon, enfin, je pense pas qu'on puisse passer. Peut-être par autre part. Peut-être que pour la démo, c'est peut-être pas intégré. On se croirait dans la vraie vie, mais avec des pouvoirs, c'est ouf. Mais en mode japonais. Et clairement, le jeu a l'air pas mal. Clairement, le jeu est pas mal. Clairement, bon, c'est un peu dommage qu'il soit en solo. Le jeu est en solo. J'ai un peu regardé les données, donc le jeu est en solo, il vient de sortir, je crois. Pas si vieux que ça, je crois. Mais, ouais, clairement, il a un bon truc, il a un bon... Par contre...
Il y a des points verts. Alors, est-ce qu'il y a des trucs en hauteur? Est-ce qu'on peut monter autre que... Parce qu'on voit des... Bah, par contre, je vais me rester coincé. Ok, quand il y a la capuche dessus, quand ils ont la capuche sur la tête, ils sont transformés. Le vélo. J'avais envie de le balancer, le vélo, mais je le fais pas. Niveau supérieur. Alors attendez, est-ce que j'ai gagné un point parce que tout à l'heure... Attendez, j'ai combien de PC là? J'ai que 3 PC ou j'ai... Parce que c'est un peu compliqué. Ah non, j'ai 10 PC, d'accord. J'ai 10 PC pour 3... Pour, ok, et c'est 3 niveaux, ok. Ah, c'est sympa ça, on peut débloquer quand même des trucs, même pendant le... Récupérer progressivement des PV lorsque la CL est ok. Yeah, y a vraiment un truc santé, vie, machin, c'est sympa, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, et il me reste plus que 2 PC, mais il n'y a rien à 2 s'il y a celui-là. Donc on va faire, on va entraînement. Enchaînement, entraînement. Ok. Alors je sais pas si, si c'est 10 PC qui nous donne tout avant, parce que j'ai pas regardé au début. Mais je pense que oui, parce que quand on a regardé au début, je les avais déjà, les 10 PC. Donc les 10 points de compétence. Donc je pense que c'est quand on monte de niveau, mais j'ai pas vu si on avait monté de niveau ou quoi. Donc... Tiens, bouf! Oh la vache, c'est direct quoi, c'est même pas... Ouais, faut quand même se combattre un peu à l'épée quand même, je pense. Donc c'est là-haut, mais on va aller voir là-bas. Ah, faut vraiment faire le tour, hein. Ah, il y a une bande de données. Et je pense que, bon, au fil du temps, je pense que le jeu peut être pas mal, hein. Il me fait penser un peu à SAO, mais plus, plus sympa. Aïe. Allez, couchez la plante. C'est direct, hein, c'est direct. Il leur reste quoi? 10 PV, même pas. Il leur reste quoi? 10 PV, ouais. Couché! Ok, en fait le truc il est... Tant qu'il a... Vu qu'il a plus de machin... Ok, quand tu... Il prend cher hein, le machin, il prend cher. En plus ça nous fait découvrir des bestioles. Lui il est costaud par contre. Costaud costaud. Ok.
Gel, ok. Ah, le gel machin, c'est le truc qu'on récupère. Allez, couché. C'est bizarre qu'on puisse pas passer. Je pense qu'il y a des trucs. C'est vraiment B pour. Peut-être la téléportation. Ah oui! D'accord! Ok, ok, ok. Bah, ok, d'accord. Sympa. Ah bon à savoir ça. Et ça se recharge, ok. Ouais, bah dites donc là. Oh putain. Eh gros. Eh, il fait mal lui. Ok, je pense qu'il y a des niveaux, je pense qu'on peut pas, on peut pas les faire si. Il a l'air de faire méchamment mal lui. Hein. Il fait méchamment mal lui hein. Il faut vraiment le tuer au plus vite. Un coup de poubelle dans ta gueule. C'est très très chaud, hein, n'empêche. En tout cas, le jeu est pas mal. Franchement, il n'y a pas beaucoup de jeux où je dis que qu'ils sont nuls, qui volent pas le coup. Bah, il y a quand même des jeux où je le dis parce que voilà, ça le mérite. Mais là, clairement, le jeu mérite son petit point quand même. Ok, ouais, pas grave si on l'a pas. Plutôt sympa. Ah, attendez. Borne de nonné, ok, ça a l'air d'être au-dessus. On monte. Alors je pense que même avec la fille, ça sera la même chose.
Quoi? Voir éclairant, vous pouvez détecter. Ah, ok. Ça c'est vite vu, ça au moins. Y'a quoi là? Donc. Yep. À chaque fois je me trompe en fait avec RT, j'appuie sur LT moi en fait, et c'est chiant. Je sais mais pourquoi ça marche pas? Et en fait ça marche à chaque fois. Je croyais que c'était un bug mais non c'est moi, je croyais qu'il fallait que ça se recharge mais c'est moi qui me trompe à chaque fois. Donc le jeu est clairement vraiment sympa. Donc clairement, bon point. Moi franchement je donne un bon point au jeu. Même si c'est que la démo est vraiment sympa. Il y a vraiment un potentiel au niveau du jeu. Et ça, ça faut pas qu'il l'enlève. Par contre, ouais, ça a l'air long. Ça a l'air très long. Même la démo a l'air très très longue. Ok, je sais pas où il faut aller. Oh. Tricheur va. Je t'ai vu. Allez hop, on finit. J'ai l'impression que ça va être un gros problème. Il faut que j'économise mon clairvoyance parce que j'ai l'impression que ça va être le... Le souci de... Alors je suis pas allé de l'autre côté parce que je me dis que c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Parce que j'ai l'impression que... Il faut monter. Oh là, ça va être le bordel là. Putain, c'est pour descendre. Alors attendez que je regarde un peu. Parce que faut pas que ça me fasse redescendre trop bas. Alors là, on a un truc, ok. Ok, ça c'est la téléporte. Ah oui, je me doutais bien qu'il y avait un truc qui était bizarre. Je me suis dit, mais c'est bizarre, il y a un truc qui... Hey. Il est où? Ah, saleté de bestiole. T'apprends à danser. Moi. T'apprends à danser, moi, tiens. Ok, ouais, il y a quand même un moment de recharge quand même. Putain. Attends, attends, allez. Pourquoi?
M'envoie vers l'autre. Et donne-moi celui qui est invisible. Bah ouais, mais c'est ça le problème, c'est que... Il a pas voulu me donner celui qui était invisible. Faire comprendre. Plan tête, là. Par contre, ils sont rapides, hein. Ils font mal, ils sont rapides. Bon, d'accord. Très très mal. Je pense qu'il faut... On peut descendre, mais j'ai un peu peur que c'est pas par là. Interfaction spéciale. J'ai un peu peur que ça soit pas par là, c'est ça le problème. Parce que je suis pas allé au-dessus. C'est chiant quand on sait pas. Alors je pense que c'est par en bas, mais... On va faire demi-tour. C'est dommage qu'on puisse pas aller plus vite. Ça nous accélère quand même. Il y a des trucs là derrière. Je l'avais pas vu lui. J'ai récupéré l'autre, mais j'ai pas vu le... Alors attendez, on va... Ah si, c'est par là, donc le boss doit être là. Donc on doit descendre, mais bon. On va faire le boss, j'ai pas envie de durer trop longtemps pour la vidéo, ça fait déjà 32 minutes qu'elle y est. Le jeu est par contre prenant, hein. Clairement, le jeu est par contre prenant. Si c'est un boss, on va... on se finira sur le boss, pareil pour l'autre qu'on fera... Mais je pense que là... Oula vache. Il a l'air... Je me recharge. Je pense que la recharge c'est le truc violet qui fait un genre de musique. C'est juste au niveau de ma barre de santé. Ça l'a calmé là. Alors, eh bien, ça a l'air de faire très très mal. Aïe.
Allez, on va laisser peser. Eh ben voilà. Je vois pas plus que vous là. C'est tellement rapide les images. Allez, tu viens prendre. Il vient après la fête, lui. Ok. Chut, chut, chut. Ok, on sait qu'on est. Merci. Bon, bah voilà. Bon. Alors pour moi, ma théorie du jeu est clairement que le jeu est magnifique. Merci d'avoir joué. Donc, je sais pas si je vais pouvoir jouer avec l'autre personnage. Félicitations, maintenant vous avez obtenu. Hein. Donc. Je testerai l'autre personnage pour donc jeudi. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo encore. Et on se dit à la prochaine les gens, c'est Drake Survie. Allez, bonne soirée et à ce soir pour un live. Peace!